amis, bonjour, bonjour, bonjour. Récapitulatif rapide de ce qui s'est passé hier soir et ce qui est en train de se passer en ce moment où je vous parle, les amis. Donc, plusieurs routes de l'intérieur sont toujours fermées, comme par exemple l'axe Gagnoa à Abidjan est fermé. Ils ont aussi fermé Yamsokro. Voilà. Malheureusement, à Abidjan, y a une dame qui a été enlevée. Voilà. Une dame cadre du PDCI devant l'église Saint-Jean-Cocody, elle était enlevée. Priez pour cette dame. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Mon frère, faut pas mettre ça sur moi. Actuellement, là, moi, ils sont en train de donner les informations. Voilà, je donne les informations à mes amis. Donc, faut pas me déranger. Du côté, toujours du côté d'Abidjan aussi, à Kumasi, il y a eu quelque chose, regardez. Ouais, le feu brûle. Le feu brûle. Franchement, franchement, moi, j'aurais voulu qu'on puisse reporter les élections. Là. Trop, c'est trop. C'est dans ça aussi, depuis matin, les gens sont bloqués à Bengourou. Ils sont bloqués depuis là. Il y a Bengourou où les gens sont bloqués. Il y a Yamsokro aussi où les gens sont bloqués. Ils sont dans le cas, si vous voyez, écoutez le monsieur là. Oui, actuellement, nous sommes bloqués à Bengourou. À la rentrée de Bengourou, les véhicules sont bloqués. Et vous voyez. Regardez jusqu'à là-bas. Un camion bloqué. À Bengourou, est verrouillé, on n'arrive pas à entrer. Et ça fait plus de 2 heures, hein, nous sommes là, impatientes que la situation soit décantée. Prions le bon Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée d'une nouvelle crise. Vraiment, prions Dieu encore. C'est vraiment fermé. Je que vous voyez, regardez même jusqu'à la montée là-bas. Vous voyez. Je zoome pour que vous puissiez voir, hein, vous voyez. Vous voyez jusqu'à là-bas. Vous voyez la distance. Vous voyez le long fil d'attente des véhicules. C'est à Bengourou, à l'entrée d'Abengourou. Vous voyez. C'est la seule voie d'accès à la ville là. Personne ne peut passer. Vous voyez le nombre de cas de cette rue là. Vous les voyez. Vous les voyez, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. La situation à Bengourou, la situation de Bonoko s'inscrit dans une logique de désobéissance civile telle que prônée par, on peut dire, les partis de l'opposition, la plateforme des partis de l'opposition. À Bengourou s'inscrit dans cette logique. Ah, on voit la situation actuelle. Des véhicules qui depuis 9 heures sont encore en stationnement parce que la voie ayant été fermée. Voilà un peu ce qui crée cette désobéissance civile. Merci beaucoup pour ton reportage, mon frère. Voilà, j'espère que ça va aller là-bas. Ça va aller, ça va aller. Oh les cœurs, on y va. C'est dans ça aussi. Sourou Kiyomoko ne fait qu'il fait les postes pour dire qu'il est là. Oh les amis, à tout à l'heure. C'est dans ça aussi du côté des Saïwa. Ça chauffe, regardez, regardez. Ah non, ça c'est petit. Ah, Acacia, ah, il tourne. Ne fais pas ça. Président. Non, faut laisser à Thomas et gâter. On n'a pas de. On a fait appeler l'enfant parti. Faut brûler aussi. Ah, donc. C'est aussi ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Non, va quoi c'est? C'est fini. Comment ça?
Voici les images noires. Visage. Laura. Les images noires d'Assur de Nayo. Les jeunes qui vont en renforcement avec les bêtises. Voilà. Ça, c'est une boutique en feu. Ah non, ça c'est petit. Ah, Acacia, il tourne. Ne fais pas ça. Président. Non, faut laisser à Thomas et gâter. On a pas de. On a déjà appelé l'enfant parti. Faut brûler aussi. Ah, donc. C'est où c'est ça? C'est où c'est ça? Oui. En tout cas, non, troisième mandat, nous à la violence, oh, les amis, prions pour nos pays. Oh. C'est qu'est-ce que j'ai tout à l'heure, les amis, il y a tout à l'heure.